Durch das Entknospen können die Triebe ausgewählt werden, die am Rebstock bleiben. Ça aura deux buts, un d'aérer la végétation, de répartir les bourgeons sur le cep, mais également c'est un but comme limitation de récolte. Die Knospen sind über die ganze Fruchtrispe verteilt. Diese Durchlüftung garantiert, dass sich die Weintraube perfekt enthalten kann. On adapte également le système de taille, donc en fonction du cépage. On a des cépages qui sont beaucoup moins productifs sur les yeux de la base, on aura tendance à les faire en guyot. Et puis d'autres cépages qui sont plus productifs, on va les faire en taille courte, que ce soit le gobelet ou le cordon permanent. Ici on a les grappes, donc qui sont tout au départ, on est avant la floraison. Ces grappes vont se développer durant le courant de l'année pour donner le raisin.